traitement de votre stream en direct. C'est bon, j'y suis. C'est moi. T'es le chef? C'est bon, j'ai lancé le stream. Merde, j'ai perdu mon briquet. Ah! J'ai changé le nom à d'abord. Putain, mais du coup, je me suis dit, merde, attends. Si c'est aujourd'hui, je vais pas pouvoir faire l'annonce après avant mon. Je suis au gaming. Bon, c'est pas grave, je la regarderai après. Au gaming? T'avais prévu un truc? Non, je voulais juste voir l'annonce. Ah, c'est à 20h, c'est vrai. Du coup, bah, yes. Let's go. Ah, bah, au pire, tu le Mais il aura regarderas dans le sûrement un peu replay. de retard, Et hein. je le regarderai en Ça va replay. être bien 20h30, peut-être. Je Il y a me dis, Ninecraft qui s'est inscrit, c'est incroyable. je regarderai le replay, les amis. Alors, équipe 3. Ok. Il faut que je fasse. Faut que je. Je vois le channel là. Je suis pas prêt. Attends. Du coup, c'est quoi Spire, Mash Pro, machin truc. Ok, hop, c'est bon. Hop, on joue contre Panic Team Trampling. Carrément. Panique! Oh, on va aller Attention. S parce qu'on est trop fort. C'est le gars, non. Division 4. Vous allez voir. Coupe relu. Rejoindre. Je vais rejoindre. Machin, Bon, machin. est-ce qu'on change la l'ordre des joueurs ou pas? Parce que Franchement, moi, je ça. suis bien contre un petit Protoss. Hein. Ah oui, c'est vrai. Je sais pas. Enfin, j'aime. C'est pas que j'aime pas le TPT, mais bon, c'est pas mon match préféré, quoi. Ah, oh, Freezard, Johnny. Je croyais qu'il était master. Il doit jouer en 9 races. Attends. Que Johnny, il joue en équipe 1 Ah ou 2, d'accord, je sais ok. plus. Pff, oh putain, j'ai eu peur. What the fuck? On me dit 5 et 2 protos. Oh. Du coup, je vais écrire Hey, les amis. Voilà dans le truc. J'écris Hey. C'est bon, j'ai changé le titre. Parfait. Parfait. Du coup, on est en live. C'est parfait. Attends 2 secondes. J'ai pas T'as encore. bien mis le délai alors. J'ai mis le Salut délai. à toute la Nifa. Ouais. Toute la J'ai Nifa mis est le délai, là. je suis un professionnel, bien sûr, hein. Streamer Et la pro. professionnelle d'eau. Sors C'est de tes faux. toilettes, putain. C'est faux, c'est Je faux. reviens. Professionnel. Allez, hop. Le match est déjà lancé en direct. Et ouais, nous sommes en quoi? En direct. Sommes en direct. Sur BFM TV. Let's go. Ok, du coup, est-ce qu'ils m'ont dit bonjour les copains? Hey Hall, who are you? Ok, c'est bon. Et imagine, ils sont pas là, tu sais. Ils ont pas l'air là. Let's go. On a gagné. Putain, on est trop fort. Ouais. Respect, plus 10 là. Alors, la victoire, on l'a mérité. Ah non, la vérité grave. C'est vrai que gagner par forfait, c'est trop bien. C'est du skill. Ah bah ouais, c'est ce qu'il est là, c'est. C'est plus C'est que les 10. mecs, ils ont respect, ils te respectent. Ils veulent même pas jouer, tu sais. Aise. Ils te respectent. Sur la nana, ils sont meilleurs que nous. Let's go. Wesh alors. Alors, ce soir, nous avons trois parties. Trois BO2. Qui sont gagnés par forfait à l'instant. What? Donc, Ah! Tout Ils sont pas is rentrés leur Nous avons line-up, 3 c'est BO2 du coup. bon. Et peut-être un BO3. Enfin, Alors, non, beaucoup de peut-être un terrain de ce truc. soir avec deux Protoss. Donc Allez, TVP, ça va TVT, vite. TVP, du coup, sont les match-up. On les bourre ce soir, exactement Grim. Grim, il peut venir en VOC ou pas? Je me demande parce qu'à chaque fois il vient jamais en Je VOC, du crois coup je me pas. demandais Il aime s'il avait pas de bien, il est micro ou peut-être plus pas n'importe quoi. dispo. Alors, voyons voir. Ah, si on a quelques joueurs de la team panique quand même. Ah, il y en a deux. En fait, 3-2-1, c'est notre petit Clem à nous. Et Portal, c'est le streamer d'en face. Eh ouais, moi je suis Clem en fait. Normalement. Depuis le début. Grim, ramène-toi. Triple R m'a Tricasti. démasqué.
depuis le début. Par contre, j'ai pas changé la scène. C'est vraiment streamer pro, ça. Hop. C'est bon, on met notre costard là. C'est faux. La petite image là, pour faire patienter. Putain, par contre. Putain, il faudrait que je me respecte. Putain, c'est le moment. Ça, ça te prend en mangeant. C'est bon, là, je suis vraiment un pro présentateur TV là. Tu vas voir sur mon stream là. La branche à micro. Il faut que je me mette comme ça là, présentateur télévision. Là. Non, parce que c'est moche. Bon alors Jean-Pierre, quelle météo nous avons pour demain? Nous avons 21 degrés à Strasbourg effectivement. Alors, à cause du réchauffement climatique, hein, l'hiver n'est pas très conséquent. Non, le mais pire c'est que l'hiver, il fait 27 degrés à Lyon, c'est incroyable. Non, mais les gens se baignent dans la neige. Hein. De ouf là, c'est. Elle s'est liquéfiée mais en un instant. C'est incompréhensible. Franchement là, c'est. Il n'y a pas le truc sur le stream encore, mais là. Magnifique. Franchement, moi je suis. Non, plutôt comme ça. Le truc, le problème, c'est que le truc, je sais quoi, il piège l'alcool comme ça. Le problème c'est que ça le sert trop pour les games. Ok. Je vois pas le chat SC2 là du coup. Ça a l'air calme. Je vois pas le chat. Ouais, le problème c'est que là, attends, est-ce que ça fait pas un peu trop serré? Vous verrez quand mon stream sera actualisé là. Faut aller chercher les cartes. Quelle tenue. Non, je vais mettre comme ça, c'est bien. Alors, on a tout le map pool plus les deux nouvelles. Ok, nickel. Enfin, tout le map pool, il y en a 6. Spécialement, vu que je stream sur la chaîne de la Engine, je ne mettrai pas les musiques que je mets d'habitude. 9 cartes au total. Perso. Mais plutôt les musiques du jeu. Alors ça va être Grim. Non, ah, c'est toi qui commence. C'est moi qui commence, je joue une map 1, map 2. Bah alors Willy. Du coup, attends, je combat contre qui moi? Attends, je vais regarder. C'est bon, en échange, il commence, hein, mais. Non, c'est bon. Tu me suis mis là. Je peux combattre contre. Qui choisissent la première carte et toi tu choisis la deuxième. Pac. Ok. QC, c'est qui QC? Son pseudo. Je vois pas de QC en fait. Ouais, il donne les cartes à son manager, apparemment. What the fuck? What the fuck? Ok. Alors là, je suis un peu perdu, vous voyez. C'est là. Là. Je dois cliquer sur 2000 atmosphères. Regardez cette chemise là que j'ai mis là. C'est marrant ou pas? C'est sûr. Ah non, on peut pas venir à Obs. Je suis pas sûr. Quand il y a un stream, normalement on Obs pas. Après, c'est comme il veut. Ils ont un stream, donc ils vont pas vouloir. Mais on va leur demander. You have a streamer? Ok, QC, il est quoi QC? Est-ce que je suis stressé ou pas? Attention. Diamant 2, donc en vrai, non, tranquille, tu vois, c'est posé. 4030 MMR, là, ça va être tranquille. Par rapport au mec 5K2, là, que j'ai pris la dernière fois en main race, let's go. Ça va être un peu plus calme, ce match. J'espère. De l'entier Wings MDR Starcraft. Une seconde. Ready, une seconde. Bon, vas-y, je vais mettre Réadi. Voilà, Réadi. Bon, et moi je vais vous laisser, hein. Du coup, les copains. Oui. Un de ces jours. Défonce-le. T'inquiète pas.
Ok, on a laissé le copain, du coup, tout seul, parmi tant d'autres. Du coup, ils vont nous rejoindre. Je mets la gameplay stream. On commence. Bah, c'est parti! Oh merde! Ça a dû commencer! On se prépare, on échauffe les doigts. Oh. Les bruitages. Nickel S. Ok. On commence. Ça va me serrer. Les gars, regardez, on tourne à 400 PM là. Non, je... Oh, 400 PM! Oh, 600! Trop fort, trop fort. Regardez ici, là, c'est mon compteur de BM en bas à droite. Non, je rigole, je spam un petit peu, mais. Les pro gamers quand même. Je vais faire ce qu'on m'a dit, je vais juste pas. Parce qu'on m'a dit de pas mettre l'IB avant les deux racks parce que je mourrais souvent sur des vieux trucs. En mode panique, tiens. C'était un peu ridicule au final.
En vrai, en vérité, je vais la faire quand même. Parce qu'en fait, en fin de compte, en fait, il est pas. Il est, enfin, je sais que c'est pas un open. Je sais que c'est pas un open vilain. Hein. Du coup, bon. Faut faire des dépôts. Je me dis peut-être que. J'ai eu tort sur ce joueur, parce qu'il est gentil, tu sais. Les caisses sont vides, il y a plus un minerai dans la boutique. Et maintenant, on va faire ça. Et hop, Alex. Pas assez d'énergie pour faire ça. Embuscade! Embuscade! Et hop, il te faut plus de minerai, quoi! Les caisses sont vides! Je vois qu'il y a des trucs, je préfère pas faire de. Ah, pour moi, ça sert un peu à rien du coup. Les caisses sont vides, y'a plus un minerai. Il te faut plus de. Y'a plus rien à bouffer, chef. Pas assez de minerai, yo. Il te faut. Dépôt. Amélioration terminée. Les caisses sont vides. Il n'y a plus. Dépôt. Pas assez. Les caisses sont vides. Il n'y a plus un minerai dans la boutique. Il te faut plus de minerai. Il n'y a plus pas assez. Il te faut plus de recherche terminée. Les caisses sont vides, il n'y a plus un minerai dans la boutique. Il te faut plus de annexe. Où aller? Recherche terminée. J'espère que c'est du sérieux. J'ai failli attendre. C'est parti. Alors, on les ordres, ils arrivent. Et hop, annexé. Recherche terminée. On va passer aux choses sérieuses. C'est moi que vous voulez. On va faire en sorte que leur champ de minerai épuisé. Chef, il n'y a plus bleu. Affirmatique. Boum, badaboum. Coupé. C'est vrai qu'il voulait un tout. Quand ton cœur fait boum. Les troupes sont attaquées. Battez-vous pour votre vie, bande de feignasses. Oui, chef. Ce champ de minerai. Les caisses sont vides. Il n'y a plus un minerai dans la boutique. Il faut des tanks, il faut des cibles. Non, qu'est-ce que je fais? Amélioration terminée. Pas assez de minerai, yo. On va passer aux choses sérieuses. J'ai l'impression de me faire avoir sur un truc ridicule, tu sais. Il te faut plus de... Ce champ de minerai ne génère plus aucun revenu, Tintin. Alors, pas de mal.
une mine. Commande center. Dépôt, 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 dépôt. Dépôt, 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 dépôt. On est acculé. J'ai jamais agréable de se faire acculer. Pas assez d'énergie pour faire ça. On va faire ça comme dans les marais et prêt à tout. On va passer aux choses. Ce pas de mana. J'ai failli attendre. Alors, ces ordres, ils arrivent. Les gars, il y a vraiment pas grand chose côté Protoss. Hein. Vous imaginez même pas. Hein. Ils me perdent sur ça, ça m'énerve. Alors qu'il y a rien hein, côté Protoss, vraiment rien. Hein. Genre... Ah. Il y a aucun tank, hein. Il y a juste du gros DPS. Hein. Mais c'est l'histoire de l'armée Protoss. La première tournée est pour moi. Système de... Les caisses sont vides. Il n'y a plus un minerai dans la boutique. Putain, c'est quoi ces joueurs Protoss? Mais j'ai l'impression qu'ils jouent mal, c'est inconcevable quoi. Et pourtant ils gagnent, c'est... J'ai vraiment l'impression qu'il fait pas grand chose. Il m'agresse pas, il... C'est horrible ce genre de game. Bon, je suis désolé, mais quand j'ai mon armée chez moi. Voilà! Terminée. Côté ami, les caisses sont vides. Il y a. Non, nope, pas assez d'énergie. Il te faut. Pas assez de mine ray, yo. Il te faut plus de. Annexe, annexé. Tu vois, je suis split et tout, ça devrait bien se passer pourtant. Et pourtant, bah écoute. Ok, mais écoute, c'était spécial comme game, on va dire. T'as l'impression de trop bien jouer et tout, mais non. C'est juste. Incroyable. J'ai pas l'impression qu'il a... Mais qu'est-ce que le...
Ça me perturbe, là. Ça me perturbe grandement. Genre, t'as l'impression de trois fois mieux jouer, mais bon. Ça, aucun de tes push passe, quoi. C'est abominable. Genre, rien ne va dans cette game, quoi. Écoute, ce qu'on va faire, c'est... On va je faire... On a joué quoi? Atmo 2000, on est d'accord. Hein, qu'est-ce que je peux jouer? J'ai peut-être une petite en tête. Bah, en fait, il gridait tellement au début, j'ai l'impression que c'est... Waouh. C'est ouf. C'est incroyable. Donc, vu qu'il gride au début, je vais faire un truc stylé, vous allez voir. Mais quand t'es proto, j'ai vraiment l'impression que t'as rien à faire, quoi. C'est chiant, hein. C'est clairement du why, non mais... On se court. Le gars, il est resté chez lui toute la game, tu sais. Ok. C'est pas grand chose. Il a pas fait grand chose dans cette game, hein, par juste macro, quoi. On se court. Quelle game de l'enfer. Mais écoute, petite map. Je choisis une petite map parce que je vais faire un petit truc coquin. Je sais qu'il open. Maintenant, je connais son opener, etc. Tout ça, tout ça, tout ça. Du coup, j'ai ma petite idée quand même. Bonjour à tous, ici Pompétude et les caisses sont vides. Et si on lui faisait la roi de Mars, tu vois. Tu vois, si on lui faisait le beefsteak du roi de Mars, tu vois. La spécialité. On va lui faire la spécialité, on va lui faire le petit sel, tu vois. On va lui faire le mec qui est salé parce que le gars il a rien foutu en face. Allez, on va lui faire le mec salé. J'ai une ma petite idée. Bon. Non, justement, tu la fermes, qu'est-ce que tu fais? Il te faut plus de minerais, quoi. Ces inconscients nous attaquent, on va leur faire payer. Les caisses sont vides, il n'y a plus un minerai dans la boutique. Il te faut plus de minerais. Pas assez de minerais, yo. Les caisses sont vides, il n'y a plus un minerai dans la boutique. Pas assez de minerais, yo. Sont vides, il n'y a plus un. J'espère que c'est du sérieux. On va faire ça. Bougez-vous, j'arrive. Pas assez de minerais.
de minerai, quoi. Center. Les caisses sont vides, il n'y a plus un minerai dans la boutique. Go, go, go! Bougez-vous, j'arrive! Pas assez de minerai, yo! Je prends le il te faut plus de. La voie est libre! Les caisses sont vides, il n'y a plus un minerai dans la boutique. Go tout droit! Pas assez de minerai, yo! J'espère que c'est du sérieux! Eh bah voyons, il a 3 stalkers alors que l'autre gars il en avait. Qui... Je soupçonne cet homme, je déconne. Ah oui, mais si tu laisses ta batterie, pouh, explose. Non, trop d'inquiète, tu pourras pas, Miko, arrête d'espérer. Reviens, reviens, mon ami. Tu pourras jamais, Miko, autant. Hop. Il te faut plus de minerai, quoi. Pas assez de minerai, yo. D'accord, alors, on pétait ça comme ça. Son supply, pouf. Il va pas me kite à l'infini quand même, reviens. Et il a pas GG, oh là là, moi j'ai GG. Ah oh, c'est sale. Mais écoutez, c'est pas de ma faute s'il a 3 stalkers quand j'arrive. Il a pas, j'ai pas B2. J'ai 400 marines. Bon, à un moment, on pourrait peut-être se dire que je fais quelque chose de bien, tu vois. Non, en vrai, la meilleure réaction, c'est full stalker. Yo. Ah, mais elle m'a tendu la dernière game. J'ai fait comprendre que ça se passait pas comme ça. Non, parce qu'en vrai, il m'a fait un truc sale. Hein. Putain, c'était chiant sa compo d'armée. J'ai réussi à faire rentrer aucun push. C'est horrible. Et donc là, je lui ai fait un truc, mais bien de salé. Alors là, c'était du sel. Hein. Là, c'était le sel à l'état pur. Ouais. Oh, c'est vraiment la BO de merde. Oh, le BO de. Teubé quoi, j'en reviens encore. Alors ça est passé ou pas? Et c'est passé. C'est passé. Et voilà mec, bah voilà, c'est comme ça qu'on se mange d'une game. Mais non. Nice build, hein. Bah best build ever. Bah ouais mec, trop de progrès. En vrai, game 1 par contre, tu m'as trigger parce que le BO drop mine, normalement, ta facto et ton starport, ils sont censés... faire un viking et un tank avant de switch pour te donner la donne. C'est un peu dommage. Un viking. Ah bon, switch avec l'Arax. Ils ont déjà lancé la game, tu peux rejoindre. Vas-y. Avant de lancer les matchs, avant de switch avec l'Arax. Dans ton chat, il y a Xelarak. Il y a le Goat. Non. Ça va être bizarre. Putain, quel beau build. Oh Dieu, mais c'est triste. Et tellement bien en même temps. Et 3 racks, alors, ça suffit pas. À nouveau, commence pas à dire que c'est triste, je sais pas quoi. Non, mais j'ai dit que monsieur c'est... est mal placé. Mais non, j'ai dit que c'est beau et aussi triste en même temps. J'ai dit que c'est les deux. Première game, il m'a trigger un peu. On fait ce qu'on peut. Ouais, fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Enfin, que t'es non, mais j'avoue que c'est spécial. C'est spécial. Ah, c'est non, mais spécial, c'est un build qui existe et qui marche très bien. C'est en l'occurrence, il a très bien fonctionné, oui. Ah voilà, ouais, là, c'était. Après, la partie c'est un build, je sais pas. Puis c'est bon, après le gars, il quitte avec ses stalkers, je veux dire, il a zéro propre, quoi. Let's go. En vrai, le seul truc, enfin, genre, je pense que c'est quand même mieux de les faire en proxy terra. Non, justement. C'est pour pas qu'ils scoutent, tu vois, c'est pas... Enfin, les protos, c'est normal, en diamant, ils sont un peu en mode... Du coup, ça passe. Ok, ok. Ah,
Après, ça peut être un peu plus, ouais, ça peut être un peu plus optimisé en Scott, master. il dit, olé, olé, c'est parti, c'est fini. Yes. Et voilà, let's go. Mais heureusement que t'as pas dit ça dans le chat, quoi. Enfin, dans le canal. Ah, il m'a pas écrit GG, c'est... Pourtant, je lui ai fait un truc très délicat. C'était ouais, vraiment gentil. Je comprends pas. Encore pour moi, mais il a pas dit GG, quoi. Alors, honnêtement, je suis étonné, quoi. J'avoue, moi, je suis étonné aussi. Pourtant, moi, j'ai dit GG, c'est dingue. Hein. Ah là là. Alors, Game, est-ce qu'il a répondu? Comment ils sont méchants. Bon, attendez, je vais vous laisser du coup pour le casting. Juste après. Ciao, ciao. Ok, du coup en bas à gauche, on a. Oui. Grim. Non, je suis cringe. Allez. J'arrête. Je me remplis de cringe tout seul. Allez, je suis cringe. Donc, en bas à gauche, nous avons Prisa de la team Panique. Et en haut à droite, nous avons Grim, un pro gamer. Hein. Pro gamer, dans toute sa splendeur. Ah oui, il se met en haut à droite en terrain bleu et son opposant. En bas à gauche, en terrain bleu clair. Attention, c'est bleu foncé, bleu clair. La différence va être un peu compliquée. Dommage qu'ils ont pris ces couleurs-là. Parce que pour nous, ça va être compliqué de manière visualisée. Du coup, je vais essayer de vous aider un petit peu. Parce que je sais qu'il y en a sur ma chaîne perso, un roi de Mars qui ne connaît. Qui débute StarCraft. C'est compliqué pour eux en match miroir de différencier les couleurs. Nous, c'est plus facile parce que nous, on est expérimenté, tu vois, on est dans l'info. Mais pour les joueurs débutants, c'est ça que c'est compliqué. Dommage parce que le bleu et le rouge, ce qui est normalement les couleurs de base qu'on joue en tournoi ou partout d'ailleurs. Premier Reaper, donc ok. Reaper expand pour les deux joueurs. Pour l'instant, très standard. Reaper expand facto très vite pour Grim avec. Oh, ok, donc facto plus vite. Facto first avant le dépôt, bon, c'est un build que j'aime bien faire en TVT, mais ça passe pas, enfin, voilà, en TVT c'est bien, mais en TVP TVZ, je pense pas, ça c'est ouf en vrai, mais ce qui fait Grim, c'est plutôt pas mal, parce que Facto avant le dépôt de ravitaillement, ça change pas grand chose en réalité en TVT, parce que là, tu l'auras à temps, alors que dans les autres match-up, j'ai presque l'impression que tu l'as à temps. Ça avance la facto de Grim, un peu plus, voilà, elle se termine pendant que l'autre est encore en fin de construction. Voilà, voilà. Du coup, on a un petit scout de Grim quand même. Il se dit peut-être que c'est la merde, parce que j'ai envie de dire quand même que Grim n'a pas scout la base de son adversaire au SCV, alors que... Oula, non, Grim. Non. Non, Grim, erreur du joueur français. Oh non. Les SCV au chômage. C'est pas bien, Grim. Qu'est-ce que tu me fais là? Tu me fais mal là. Tu nous as présenté des trucs plus beaux. Grim, il a fait des trucs mais mass splendide. Et là, il nous fait ça. Non. Ok, Grim qui termine cependant ça. Son spatioport. Du coup, il va faire sans doute Liberator. Moi, je parierais sur qu'il fasse un petit 4 Reaper et 4 Hélion. Je connais ce build et il est. Pardon. Il est extrêmement fort. 4 Reaper, 4 Hélion, Liberator. Il est vraiment cool. Pendant que son adversaire, alors je crois qu'il va gagner avec son petit 4 Reaper 4 Lion. Son adversaire le scoute pas à son spatioport un peu plus tard, à tardive. Et c'est. Il prend deux add-ons d'un coup. Ce qui lui fait des. Il est un petit peu décalé. Oh non, le supply de la mort de la part du joueur bleu clair. Aïe aïe aïe, ce supply qui fait chier. Grim, tu m'attaques maintenant cet adversaire qui a oublié son supply. Dommage parce que là il y avait un cyclone, encore c'était défendable. Mais s'il n'y a pas de cyclone, Grim il fonce, Grim il y va comme un gros sac en fait. Allez Grim! Grim grouille-toi avant qu'il y ait le cyclone! Allez Grim! Ok Grim fonce. C'est bon, ça roule. Et oh le scan qui n'a pas été mis assez. Attends, pardon. Donc là il faut faire du dégât. Là il faut que le cyclone ne sorte pas. Que ce cyclone reste à la ramasse. Il faut détruire ça. Dépêche-toi avant que le cyclone sorte. Ok, il aura un peu de temps avant que le cyclone sorte.
ici, on focus un petit peu, on prend du kill, on prend du damage. Oui, damage, bien sûr. Ok, ok. Hop, swing, swing les petits marines. Oh, ils s'en rendent dans la B1. Et ça fait un dégât monstre. C'est le moment de focus. C'est le moment de focus. Et ici, le libérateur qui a quand même distrait un petit peu ces cyclones. Et maintenant, tu focus. Tu focus les unités. Qui est dans la B1. Et bien sûr, avant, après, tu le focus les VCS. Les VCS. Oh, 11 VCS au tapis. Et ça continue. 13. Allez, Grim, un petit dernier. Non, dommage. Bon. 13 VCS au tapis. C'est énorme. Et quand on va voir dans la barre de production, nous avons 29 SCV à 19. C'est un écart considérable, colossal, je dirais, qui a été infligé de la part de Grimm. Par contre, on a un petit coup, voilà, on veut se venger. Bon, j'espère que pour Grimm, par contre, il a compris que son adversaire n'était pas très content et, de se prendre ça. J'espère qu'il a tout simplement compris qu'il y avait ça, hein. Okay. Un gros push. Le corbeau qui va sortir, donc au final, on a un petit peu équivalent d'armée, je dirais. Et même un petit avantage pour Grimm. Ah bon, il y a plus d'énergie sur le corbeau, voilà, c'est ce qu'il va falloir faire attention. Alors par contre, non, là, Grimm, c'est très mauvaise fight, là, c'est pas de stratégique. Hein. Grimm, tourelle, maintenant, vite. Ok, c'est bon, la tourelle qui a été posée, du coup, j'ai Grimm qui va tout simplement focus le cyclone, et ensuite focus le faucheur, les marines, et voilà, il n'y a plus rien, c'est le problème. Le tank, maintenant, c'est qu'est-ce qu'il veut au tapis. Bon, c'est pas énorme, parce qu'au final, Grimm produit CVSS en continu. Sont poussés au tapis. On a B3. On a B3 des deux du côté des joueurs. Hein. On a deux racks tout simplement. Ok. 29 à 25 SCV. C'est quand même énorme. Hein. Côté des joueurs, 33 SCV à 29. Du coup, Grimm qui prend un petit avantage économique et en valeur d'armée d'ailleurs. En valeur d'armée, deux tanks, deux marines, un corbeau et un cyclone, un tank, 6 marines et 3 corbeaux. Je dirais quand même qu'il a un petit avantage d'armée, malheureusement. L'ami Frizzard là. On va voir au niveau production. Ah ah, on a le Steam quand même. Alors que là, Frizzard il est pas prêt d'avoir le Steam, on va juste le lancer. Ah là, bah non, en plus il oublie. Encore mieux pour Grimm. Et Freezer, j'espère pour lui qu'il va le lancer. Eh non, il ne lance pas le Steam, du coup c'est la merde. Okay. Alors ça fait chier Grimm, mais pas tant que ça, j'ai l'impression. Petite orbitale, c'est posé. Et par contre, on n'a toujours pas le Steam. Hein. On va avoir un gros avantage au niveau du Steam côté de chez Grimm. Et on a les deux racks tout simplement. On a plus de bâtiments de production, attention. Hein. Attention à Frizzard, parce qu'il y a plus de bâtiments de production. On fait plus de kills avec le corbeau, côté de chez Grimm, j'ai l'impression. Et du coup, ah, ce qui fait qu'on a 34 à 35. Ok, Grimm est un peu derrière, hein. Il y a un V16 de moins. Mais que dit. Enfin, voilà, il y a quand même deux racks en plus, avec réacteur, Steam en large en avance. Grimm faudra qu'il agresse. C'est le joueur qui doit agresser dans cette partie. C'est le joueur qui t'a tapé. C'est le joueur qui t'a tapé les gens. Autant dit qu'on a une agression. Alors, à côté de Freezer, je suis un peu étonné de cette agression. Parce que finalement, on va... Il y a le Steam qui se termine en 7 secondes. Hein. Le Steam qui est bon timing, ce petit Steam. Hein. Il est génial, ce Steam. Il fait plaisir. Hein. Terminé, hop, on a le Steam. On a le 1-1. Et il fait du bien, son Steam, en fait, à Grimm. Hein. Parce qu'on sait qu'on a un avantage chez les marines frontales comme ça. Hein. Par contre, faut faire des marines, là. Voilà, faut une production de marines, là. Faut que les marines tapent un peu. Je les tank. Et ça commence, Steam. Ça Steam, et ça... Et voilà, là, la fight est largement remportée, hein, côté de chez Grimm. Parce que Steam, tout simplement. Là, faut focus le truc. Oh, il met bah, même pas le dernier shot, la tourelle qui est largement liquidée. Ok. Bon, bah, écoute, j'ai envie de dire avantage. Bah, alors, Steam, ici, on remarque seulement maintenant, du coup. Par contre, on n'a pas de truc posé. On a l'avantage aérien du côté de chez Freezer. Par contre, on a un gros soutien du terrestre avec les Medivac qui vont peut-être dropper, faire plein de choses. Sachant qu'on a estimé en avance des marines produits. 4 marines produits en plus. Son adversaire côté de chez Grimm. Et là, on balance toutes les racks d'un coup. Et Freezer qui est là.
Il est là en mode ouais, bon bah. C'est une tourelle quoi. Et ils se sont massés de prendre le corbeau. Maintenant, c'est maintenant, c'est maintenant. On court sur le corbeau. Cours. Non, dommage. Dommage, dommage, dommage. Vraiment dommage. Tandis que le 1-1 se termine du côté de chez Grimm. Et le 1-1, il fait plaid là. Le 1-1, il fait. Il est goûteux le 1-1, je veux dire. Voilà. Là, du côté de chez Grimm, le 1-1, il fait. Il fait plus que plaisir, on veut dire. Donc, cette game, le 1-1 est goûteux. Voilà, le Stinker se termine en ce moment du côté de chez Frizzard. Au niveau unité, nous avons 50 décès à 60. On a quand même un boost économique du côté carrément de côté de chez, chez Freezer. Cependant, mais 3 bien avant. Le problème, c'est qu'il y a cette tourelle de détection qui chienne un peu Grimm. Mais s'il y va maintenant, ce qu'il sait pas, Grimm, c'est qu'il n'y a rien. C'est qu'il y a que dalle, mon gros, mon gars. Tout fait steam à la dedingue et ça passe, hein. Allez, c'est le moment, on y va comme un bœuf. Allez, Grimm, n'aie pas peur. Et là, il voit qu'il n'y a rien. Et là, il voit qu'il steam à clic comme un taré, en fait. Et là, il steam. Et il faut qu'il se le tank, focus le tank. Et non, là, c'est gagné. Voilà, hop là, le tank qui était des pop, les tanks qui sont là, ils tirent, ils font que de ça. Et alors, on fonce sur les CV. On fait. Oh, et c'est le moment. C'est le moment où on fait des tellement de kills de CV. Yep. Et c'est le moment. Ah, on ne décide pas trop de Grimm, donc peut-être qu'il y a un tank au-dessus de ses rampes, ce qui n'est pas vrai, ce qui est un peu vrai, ce qui vient de se poser. Je pense pas qu'il touche les marines de là, enfin un peu, mais pas tant que ça. Et là, bah, juste, on va stock de l'armée, et juste on est bien, quoi. Parce qu'on a le 1-1 d'avance, du côté de chez Grimm, on a 50 mètres VCS à 62, c'est nickel pour le moment. On a quand même 1-1 qui va se terminer, qui ça va faire du bien, du côté de chez Frizzard. Même s'il est en déficit hein, niveau économie, on peut voir. Ah, attention, in fight. Engagement. Il y a tellement de tanks. World of Tanks. Ok, on a quelques marines qui viennent foutre un peu de zbeul dans cette B3. Et qui viennent. Peut-être. Alors peut-être. Alors peut-être. Tu steam tout. Et oh, ça prend ça. On perd quelques marines sur la route, mais. Pam. Et ça fait même pas le troisième shot. C'est incroyable. Hein. On prend cette B3 là. Ça fait un coup dur à l'économie. Je sais pas comment on voit avec les raccourcis. Et tandis qu'on va suivre ce marine, voilà. Et voilà, il n'y a pas grand chose. Hein, genre, on a le 1-1-1. Ce qui est plutôt cool. On a Grimm qui fait une sorte de retraite, ok. Une sorte de retraite pour défendre chez lui. On a un drop qui s'anime du côté de l'autre côté. On a les tanks ici. On va faire comme des casters pro, les gars. Hein, parce que moi, je suis caster pro, vous le savez. Non, c'est faux. Mais on va faire comme ça. Hop, caster professionnel. Donc, on a un scan hein, de l'autre côté de la map pour voir sur la mini-map. 2-1. Petit Grimm. Ah, peut-être un grand jeune. Ouais, on verra le drop juste après. Mais Grimm, il doit stocker de l'armée chez lui. Hein, il peut se faire niquer sur ça. Ça serait bête. Hein. Grimm, non, qu'est-ce que tu fais? Stuck de l'armée chez toi? Non, là, il y a shield et tout. Souvent, il a un avantage vrai, Grimm. Hein. C'est assez conséquent. Et là, là, il n'a pas stuck son armée. Là, c'est la S. Là, il voit ça, Grimm, il se dit, mais qu'est-ce que c'est que cette merde de jeu? Et il faut terminer la game, là. C'est le moment de terminer, on a beaucoup plus de medivac chez Grimm, et là, on perd la fight. Hein. Grimm. Ce moment, on a un World of Tanks. Hein. Littéralement, on a 4 fois plus de tanks. Mais il faudra stock de l'armée chez nous. Parce que on sait qu'il y a. Ok, on sait qu'il y a beaucoup plus d'écho du côté de chez. Oh, 70 VCS, mais les 70 VCS sont pas sur de base. Faut s'en rendre compte, peut-être chez Grimm, qu'on a une valeur d'armée bien supérieure. Mais vraiment. Grimm, il s'en rend pas compte, hein, j'ai l'impression, le pauvre. Et là, il va perdre hein, sur ça, malheureusement. Il était si bien, il perd sur un drop. C'est pour ça, les gars, toujours le rally point défensif. Jamais agressif, c'est ridicule. Tu te prends un drop et tu perds, quoi. C'est. On se court, et là, 34 VCS au tapis. Je crois que c'est perdu pour Grimm, malheureusement. Grimm qui aura dominé cette game de A à Z, mais qui aura perdu sur un vieux truc, en plus. Oh, un truc de minutes, quoi. Bon, en plus, on va avoir un avantage d'armée. Les tourelles, cependant. Ok, on détruit un gros pack de medivac. Ici, les VCS sont tellement stuck, ils ne posent même pas sa base.
C'est incroyable, on a 30 VCS, les gars, 30 VCS côté Grim. C'est le moment où il faut terminer cette game. C'est le moment où il faut attaquer parce que il a 70 VCS qui sont stack sur sa B2 et sa B1. Et là, bah là, il y a tellement peu de revenus en fait, c'est bête, mais Freezer, bizarre vu qu'il a pas de il avait pas de B3, il y avait tellement peu de revenus. Alors que là, regardez cette masse qui se balade sur la carte, quoi. Mais on le secourt. Mais là, côté de chez, je te dis, du côté de chez Grim, il faut faire des dégâts parce que là, il peut pas rester comme ça. Et là, on va tenter un truc. Mais Freezer qui peut-être près d'une grosse erreur, il se prend des chocs de tank absolument hallucinants. C'est le moment de focus ce tank. Et voilà, maintenant, faut contre-attaquer. Sors, c'est maintenant ou jamais que tu butes cette putain de B3. Il est de 2, mais c'est pas grave, Grim, tu dis que t'as rien à perdre. Et puis, tu vas avoir 3 d'attaque. Le 3 d'attaque, tu vas faire extrêmement plaisir. On va peut-être faire un Doom Drop. C'est maintenant. Genre, c'est maintenant ou jamais. Voilà, c'est... Oh putain, ils vont se croiser. Oh la malchance du côté de chez Grim là. Oh, putain. Oh par contre, attends. Freezer qui l'a pas vu. On va suivre ses drops. Je m'en fous, on va suivre ses drops. On a un drop de l'autre côté, hein, mais Grim l'a vu normalement. Fonce. Je te dis. Et là, bom 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 bom. Et là, c'est juste un carnage, on en a bien. Ici, on a des marines qui se stackent pour éviter tout imprévu de manière de drop. Et là, on a des SI qui sont au tapis. Là, on a des bâtiments de pompe qui sont au tapis. Pam, pam, pam. Les tanks qui focus les marines. Bien pack. Pam, pam, pam. Ça peut 32 SCV. Et là, c'est 31-38. Et là, on a défendu le petit drop sur le côté. Steam. Et t'as le 3 d'attaque. Tu fumes les marines. Même avec Medivacia de 2 en passe. Il y a 3-2. Et c'est GG. Oh, mais quel game. GG Grim. Et les gars, sur 20 mon talent de caster en vrai. Je rigole. Caster pro. Mort de rire. Et j'ai essayé. C'est la première fois que j'ai appris le bouton pour suivre les Medivacs. C'est incroyable ça. Le secours. Ne me spoilez pas l'annonce, je vous en supplie. Voilà, je sais dit. Il y a une annonce sur gaming, ne me la spoilez pas, je vous en supplie, please. Ok, voilà. Maintenant que je vous ai supplié par tous les dieux de ne pas me spoiler l'annonce, vous n'avez pas la spoil. Mais putain, mais gris, mais... Ça mérite mon respect là, ça mérite tout. Là, je m'incline là, c'est. Oh putain, c'est trop fort. Trop fort pour moi. Le build en plus c'est bien fait. Parce que je l'ai déjà pratiqué un petit peu. Ok. Thank you.
Je me regarde les commentateurs. Eh ouais les gars, on est diamant 1 mais on n'est pas, on n'a pas le level là. Bon après on n'a pas le level là sur un. On n'a pas le level là. Les gars. On n'a pas le level là, bien sûr, en casting, mais c'est pas. C'est tellement. Bah merci, merci, ça fait plaisir, putain. D'ailleurs, petite page de pub. Bah, écoutez, je caste pour la ronde Halloween. Je vais voir avec mon manager, mais voilà, si vous voulez, petite page de pub, hein, si vous voulez, ma chaîne personnelle, Roi de Mars, hein, Roi de Mars avec un 2, à la place du 2, on y fait du StarCraft, de l'arcade, du ladder, des tournois, j'organise des tournois, une communauté active sur mon Discord, sur mon YouTube, sur mon Twitch, un stream par jour. Voilà, vous faites tout ce que vous voulez avec ça. Mais on est vraiment bien, on est au top ici. Avec ma petite commu, vraiment très gentille d'ailleurs. On tourne à 10 viewers en moyenne en ce moment. Et à 10 viewers, ça me fait plaisir. Voilà, j'ai essayé de faire ma pub le plus rapidement possible pour que l'état-major qui est au-dessus ne me remarque pas, tout simplement. Ça y est, ça y est. Sur tout ça, je vais les appeler l'état-major. Pour que l'état-major ne me fasse aucune remarque, je fais une pub de moins de 30 secondes. Ok, ok. Deuxième game. Grim versus Frieza. Alors, on rappelle que j'ai déjà joué... moi, j'ai déjà joué les maps, la map 1 et la map 2. Que j'ai perdu la première game et j'ai gagné la deuxième. Du coup, là, ça fait 2-1 pour l'équipe Angel Wings. Et 1 pour l'équipe Panic. J'espère que l'état-major ne m'a pas vu. Ok, alors, c'est une map spécifique. Parce que c'est une map spéciale. On va dire, parce que c'est une map qui a été rajoutée directement par, par la Coprulu. La Coprulu. Et bah, elle est sympa. Parce qu'au final, il y a 3 emplacements. C'est un petit peu une ancienne map. Alors, j'étais là, je sais, il y a 1 an et demi. J'ai commencé le jeu il y a 1 an et demi. Du coup, je suis un petit peu jeune sur ce jeu. Mais j'ai vu quelques petites vidéos de Zuka et apparemment c'était les anciennes maps, du coup c'est plutôt sympa. Ok, alors comment je pourrais dire, en haut avec un petit pas à gauche on a Freezer de la team Panic, il est juste là, il est beau, il a perdu la première match, il joue sa revanche avec son couteau là. Il veut sa revanche en bas à gauche. Un petit peu au-dessus. Un petit pas au-dessus. On a Grim. Terrain bleu pour la Angel Wings. Et oui, Grim, il est beau. Il a gagné le premier match. Et il veut. Il veut rendre fier son équipe et rendre fier son caster professionnel. Il veut rendre fier son équipe, simplement. Comme tous les membres de cette équipe, on est soudés. On est liés par un lien d'amitié. En métal, vu qu'on est tous des terranes, hein, j'ai l'impression. Genre, depuis que j'ai. C'est vrai qu'on est tous des terranes. Les gars, il y a que des terranes dans la team, mais let's go. On se sent bien du coup entre terranes. Du coup, alors Durax. Alors Durax, très. Très malin. Parce qu'on a Fast Facto avec dépôt Force. Facto. Facto en avant, voilà. Petit dépôt là. Petit dépôt ou pas? Non, petit dépôt. On s'en fout du dépôt. Voilà, ce n'est pas utile. C'est bon, il le met maintenant. Ok. Du coup, il va essayer de scout, mais il ne verra rien. Pourtant, c'est deux racks Reaper. Hein. Donc, ça va faire mal au cul. Hein. S'il ne scoute pas très vite, ça va faire mal au cul. Hein. Mais j'ai confiance en Grim. J'ai confiance en Grim. Et est-ce que Grim l'a vu? Je doute. Hein. Ça va poser un problème. Grim, maintenant, micro. Hop, petite grenade avant. Oh, on active la grenade. C'est beau. Comme ça fait crime là-dessus. Voilà, je suis ébloui par le skill de ce joueur. Petite facto, du coup, qui ont un petit avantage économique du coup du joueur au Freezer. Par contre, cet opening, j'ai rien dit. Cet opening en fait ne l'avantage pas du tout niveau technologie. Parce qu'il a même pas son usine que le joueur Grim va poser son spatio quoi. C'est pas ouf. Donc là on va attaquer sur un bon timing Steam là.
Et voilà, j'ai l'impression qu'on va faire ça. Parce que le truc, bon, ça te retarde énormément. Et on a déjà spatio proposé qu'on a même pas une once de... De facto, là, je pense que ce build est très, très, très timing push avec deux Rax là. Et le Steam là qui est envoyé directement. J'espère que Grim va l'avoir. Alors, Grim est plutôt bien pour ça. Pardon. Bien positionné. Longue vie Azuka. Eh, les gars, il y a Roi Mars qui émerge dans le stream game. Mais longue vie Azuka quand même. Donc voilà. C'est mon pseudo Roi Mars. Cyclone, alors. Il est plutôt bien pour défendre ce timing, hein, parce qu'au final, il va avoir un d'attaque très tôt, etc. etc. Il est spécial, il est space. Mais je trouve qu'il peut s'en sortir excellemment bien avec ce genre de choses. Étrange, mais pourtant, ça marche. Et on a le Steam qui est lancé, simplement. On a beaucoup d'units, mais Grim qui a fait un bon opener pour ça, parce qu'il va avoir une tourelle, il va avoir un cyclone, il va avoir deux marines, le cyclone de la sécurité, bien sûr. Il va falloir micro, voilà, il va falloir micro, on le dit direct, il va falloir micro du côté de chez Grrr, chez Myrg. Non, je rigole, chez Grim. Deux mules qui sont lancées. Deux petites mules. On a Steam Shield du coup et un d'attaque. Donc là ça va faire un énorme timing. Et j'espère que chez Grim on est prêt. Hein, parce que ce timing marine. La Ligue 3. La Ligue 3 c'est tout simplement en tout Master 3 entre guillemets. Par exemple, moi qui vais bientôt passer Master 3, ça va être compliqué pour moi de rester en Team 3 du coup. Mais bon, là, voilà, je vais essayer d'y rester un maximum parce que c'est quand même une team qui me plaît bien. Donc t'as Ligue 3, enfin une team, non, c'est une ligue personnellement, mais... Par contre, faut choper ces Reapers, ils ont vraiment un HP quoi. Ok. Simplement, ok, voilà, il a assez le timing. Et là, j'ai peur qu'il ait rien scout. Grim, il se doute qu'il y a quelque chose de bizarre. Et là, en fait, ce timing ne va rien faire. Faut le dire, ce timing ne va rien faire, les gars. J'ai peur pour le joueur de la team adverse. Hein, mais le timing ne va rien faire. Le timing ne va rien faire, les gars. On est déjà positionné. Hein. C'est dur, mais c'est vrai. Le timing ne va strictement rien faire. On a déjà tourelle. On était tout positionné, on avait du DPS, on avait Cyclo, on avait les shots de tank. Donc voilà, notre chaîne vous a répondu. C'est dégueulasse. On va rien faire malheureusement. Je rappelle quand même que l'overlay vient de ma chaîne perso. J'ai pas encore. J'ai fait l'overlay pour la chaîne perso, j'ai pas encore terminé l'overlay pour la Angel Wings. J'aimerais bien faire un truc stylé avec des trucs de la Angel Wings. Pour faire un overlay un petit peu score etc. Pour l'instant je suis dans une période, je travaille énormément du coup je peux pas trop je peux faire un stream par jour tu vois, c'est pas un problème, mais je peux pas trop travailler là-dessus. En plus j'ai d'autres projets comme le stream 19-13h du coup c'est chiant quoi. C'est chiant. Mais du coup, ouais, on se met bien. Mais... On arrive à terminer. Mais je travaille énormément là-dessus pour faire des... parce que... Pourquoi je travaille en dehors? Parce que j'ai plus que 4 semaines de cours, ok? Genre, c'est, j'ai 7 semaines, les 3 semaines prochaines, et les deux, et du coup, je ferai les vacances de Noël, et ça va vraiment me décoincer. Du coup, je pense que je serai beaucoup plus actif sur plein de choses après ça. Je vais quand même me concentrer sur ma scolarité pour pas non plus me perdre totalement dans l'oubli de StarCraft. Même si on travaille toujours sur la communauté, un stream par jour, des Clan Wars toutes les semaines parce que bon, on lâche pas, vive la team, vive l'Angel Wings. Oh putain! Et on, je parle. Mais engagement de fight, le Steamcast termine du côté chez Grim, le bon timing du Steam. Hein.
on en parle pas assez. Et du coup, le truc, c'est que on a un avantage économique du côté de chez Freezard, mais il faut le rattraper. Cependant, on a un avantage de technologie, d'armée et d'amélioration du côté de chez Green. Du coup, j'espère qu'il va... Enfin, non, on a un avantage d'amélioration plutôt du côté de chez Freezard, mais j'espère que Green va rattraper tout ça parce qu'il a quand même... Il quand même fait, il fait ses trucs en mode enchaînement et tout, il a armurerie directement. Du coup, petit scan. Du coup, hop, tu matrices les deux tanks. Je regarde un petit peu le chat, mais voilà, pour pas qu'il y ait de problème. Allez, tu termines ce tank ici. Non ! 9-9-9-9-9-9 Ok, c'est dommage pour Grim d'avoir pas terminé ce tank. Mais pas grave, pas grave. Par contre, Grim, je comprends pas sa décision. On a une B3 libre, on pourrait siéger là-dessus, et puis... Pff, c'est dommage, Grim. Là, tu nous as présenté une belle game tout à l'heure, hein, Grim. Mais voilà... Pose-toi sur B3. Bon voilà, j'espère qu'il a compris de loin. J'espère que c'est arrivé jusqu'à son village et qu'il a entendu mon cri. B3. Ok, on attaque, mais on a tellement pas d'unité de soutien, j'ai l'impression, du côté de chez Freezard, quoi. On a une compo standard pour un TVZ par exemple, mais j'ai pas l'impression qu'on a trop. Et le problème, c'est qu'on a énormément d'unités, on a l'avantage aérien, on a un corbeau. Et c'est maintenant, tu focus les trucs. T'as tellement plus de marine, non, le tank et c'est bien, c'est bon, allez. Ah, dommage, tu t'es fait prendre tout tes vies. C'est moche. Et en même temps, le joueur Terran qui s'en prend, là, vraiment, il s'en prend, il pose B4. Hein. Bon, lui, là, c'est pas son problème dans la vie. Hein. Il faut que Grim attaque. Et vraiment, Grim est... En fait, Grim, première game, était l'attaquant. Mais Grim, deuxième game, était l'attaquant aussi. Moi, ouais, il s'aime bien. On va dire. Grim, là, putain, attaque! Il y a une B3 tenue! Et là, voilà, Grim qui fait enfin l'action qu'il fallait faire depuis 30 ans de cela. Et qui attaque. Et là, les tanks... Peu importe si les marines sont speed, il y a trop de tanks par rapport aux marines. Bababam! Faut avancer les 3 tanks par 3. Là, c'est, pour moi, c'est vraiment 3 tanks par 3. Faut pas non plus que les tanks se mettent ici et gênent un petit peu la destruction de cette base. Voilà, ce qu'il va faire maintenant tout de suite. Par contre, voilà, c'est mon petit move pas content. J'aimerais bien que Sphere quand même. Ah, c'est bien! Ces tanks qui font des trucs sympas. Mais pas assez. Voilà, c'est dit, pas assez. Et malheureusement, les tanks sièges, ils vont un sacré dégât quand même, malgré qu'ils sont pas là, quoi. Mais voilà. Hop, on fait. Voilà. Et des sièges, pas sièges, on a le team ici. On a plus d'amélioration du côté de Freezard, mais ça va pas suffire parce qu'on a plus de valeur d'armée. Côté VSS, on a 64 à 62. Mais Grim qui prend l'avantage en valeur d'armée, simplement qu'il gagne cette partie parce qu'il a trop haut et que cette B3 était tout nu. J'en peux plus. Cette B3 était tout nu depuis 9 minutes de jeu. Ah, fonce dessus, mange-la. Voilà. Ah, on a 3-1 du coup dans ce tournoi. 3 pour la Angel Wings et 1 pour la Team Panic. Du coup, il faudrait que notre cher joueur prochain nous gagne une game. On a gagné une game, on a gagné le Clan Wars entier. Du coup, il faut absolument que ce joueur gagne cette game pour nous faire gagner, remporter la victoire, voyez. Parce qu'on a 1, du coup on a moins qui a joué en premier, 1-1, du coup ça nous fait 1-1, égalité. Grim qui remporte 2-0, du coup ça nous fait 3-1. Et on espère que le joueur prochain du côté Angel Wings va tout simplement prendre au moins un match. S'il se fait pas 2-0, on a juste gagné. Donc je crois en lui, on va pas se faire remonter. On est fort ici. Et non, du coup ça va être je sais pas qui. Hein. Je sais pas qui va. Non, les gars, s'il vous plaît, me spoilez pas. D'ailleurs, non. Je viens de voir un ping de chez O'Gaming. Je n'ai pas vu l'annonce. S'il vous plaît, je vous en supplie, par tous les dieux, ne me spoilez pas le truc.
de l'annonce. Je veux voir la rediff par moi-même. Je ne veux pas qu'on me spoil. Là, c'est vraiment. Hein, c'est comme si on te spoilait ton manga préféré, ton animé préféré. Ça fait chier, tu vois. Donc, ne faites pas ça, s'il vous plaît. C'est pas gentil. Voilà. Je veux voir l'annonce de moi, de mes propres yeux, de mes propres oreilles aussi. Du coup, on approche un match. Ça sera. Johnny, on va se Triple R. Donc Triple R, t'as intérêt à nous donner du lourd. Triple R, tu fais pas n'importe quoi, Triple R. Hein. T'as intérêt à gagner. Hein. Désolé, je parle plus beaucoup. Hein. Faut que je me rafraîchisse la voix pour la game 3. Le pauvre Julian. Yo, mais on est d'accord. Triple R, ouais. Il doit gagner plus qu'un match. C'est ça. Ah bah, tu me dis Triple que... R, t'es là. Triple R, oh. Ouais, t'es là. Ouais, il est là. Bon, je vais aller, ciao. Ciao. Triple R, il est revenu, j'adore. Du coup, je me suis pété là, c'est quoi les scores? 3-1, du coup, ça veut dire que si Triple R gagne un match, bah tout simplement, il a gagné. Voilà, on a gagné. Ok, ouais, exactement. Donc, Triple R, c'est pas pour te mettre la pression, mais gagne en fait. Genre, putain, ouais. Gagne un match, quoi. Genre. Ok. Sors ton meilleur jeu. Alors, tu commences en macro game. Si tu perds en macro game, tu fais comme moi, tu fais. Bon, on est perdu en macro game. Full top. Bon, allez. Tu fais. All in, cheese, n'importe quoi. Mais tu gagnes. C'est quoi la map? C'est Littering. Je connais pas. Alors, à mon avis, ça doit être la map de. C'est lui qui choisit la première carte et ensuite c'est toi. C'est pas la map. Ah non, ce n'est pas une nouvelle map. Attends, c'était quoi les cartes déjà? Attends, qu'ils me mettent dans Observateur. Les deux dernières cartes, c'était comment? Belingrad et Hardwire. Hardwire? Okay, je vais mettre à jour les scores. 2000, c'est joué. Hardwire, hop, on retire. Berlingrad, ok, 2000. Paf, Bah, moi, Blackburn. Le Clitchering. Volcano, ok. Blackburn, bah, tu peux jouer Blackburn, hein, oui. Et puis lui, il va prendre. Pourquoi? Ok, Glittering. Bougez pas. Ready, voilà. Vas-y, tu peux rejoindre. Je vais laisser, du coup, pour encore laisser vous pour le cast, à moins que Sir, tu veux co-cast, parce que là, j'ai un peu la barre. Ah bah, remarque, oui. Comme ça, je m'ennuie pas. Ouais, parce que là, je suis... Ouah, putain. Oh, c'est Johnny. Cast trop, c'est trop OP. What? Il joue Sir? Ah non, pas de façon. What? Attends, il a pas ses games. On laisse jouer ou pas? S'il a pas ses games, mais en vrai. Attends, normalement il est déjà, c'est sur 20 jours. Okay. J'ai encore l'habitude de regarder le profil et puis de compter les games. En fait, bah allez, il veut bien me laisser un petit co-cast quand même, putain. Je viens de cast les 4 games, au secours. Enfin, cast, les deux premières games, je les ai joués, du coup, je les ai pas cast, mais voilà. Attends, je cherche Johnny pour être sûr.
cartographie. Après, on a presque gagné, leur fait pas chier. Hein. Panique. C'est bon, il a tout ce qu'il faut. Ginny offre, c'est un protoss normal. À quoi Allez, ah, d'accord. Ok, il est bien hors. Ah, normalement, c'est un Zerg, ok. Je te déplace, GL. RRR gagne. Bon, c'est bon. C'est pas pour lui mettre la pression, mais s'il gagne une game. Bon, la petite pression. Je dis ça comme ça, mais s'il gagne une game, il a gagné, quoi. Bon, on a gagné, pardon. Voilà, c'est le principal. Ok. Et Lace, tout de suite derrière. Panique. Du coup, sans indre scintillante. Alors, on a eu une map choisie du coup par Coprulu, je crois. Coprulu League a mis deux maps bonus, simplement. Ouais. Qui a pris ton abord, notre cher ami adversaire. Alors, je sais même pas jouer. Et en haut à droite. Et en haut à droite, nous avons Johnny de la team Panic qui se pose bien sûr en haut à droite en protos bleu et en bas à gauche. Triple. Un terrain jaune. De la team Angel Wings. Triple R, voilà, on lui a pas, on m'a pas du tout mis la pression. C'est vraiment rien. Il y a trois lettres, R, R, R. Let's go. Alors, chercher le jeu de mots, je ne sais pas, mais il ne le connaît pas non plus, je ne crois. Non, son pseudo, bon, genre, pourquoi triple R? Alors, Johnny, il a un placement de pylône plutôt particulier. Alors, c'est pas d'anti-reaper, pas de wall. Bon, bah, tranquille, mec. Même pas de wall au niveau de. Enfin, derrière, ça. Ouais, il est confiant. Ça veut rien dire que c'est un mec, il sent bien dans la vie, tu vois. Easy, mais. Je suis bien. Putain, je me tape tous les mecs trop fort, on se court. Je me suis. J'ai tapé des mecs pas mal. Je reviens tout de suite. À chaque fois, je me tape des mecs pas mal. Bah, vas-y, vas-y. T'inquiète pas, on est là. Oh, le petit coquinou! Oh putain le coquet! Triple R qui va tout simplement mettre une engine. Pardon, parce que ma voix a un peu pété. Hein. Oula! Une engine ring B. B2 de Johnny. Ma voix est un peu fatiguée, effectivement. Dans la B2 de Johnny. Et du coup, bah, ça va le gêner pour prendre B2 tout simplement. Voilà, y a pas trop d'explications. Marine Expand, je préfère quand même parce que Reaper Expand, j'aime pas trop. Oh! Ok, c'est vraiment marrant. Non, pourquoi tu l'as cancel maintenant? Non. Ah non. Pourquoi maintenant? T'aurais pu le garder. Mais voilà, il fait la petite factory. À mon avis, ça va bourrer sec avec des mimi, non. Ça m'étonnerait pas. Franchement, du côté de chez Triple R. Et aussi Johnny, au final, Johnny, il est là, il est confiant, il fait voilà quoi, au final, il est là. Faire son petit ADN, son petit zélote, ok. Il est fier dans sa vie, quoi. Stargate, ok. J'arrive, voilà. Stargate, alors... Stargate, c'est marrant. Parce que Triple R va sans doute faire un drop mine à... Genre un drop mine, enfin, je suppose. Côté triple RRE. Sure. Mais alors non, ça sera là-bas. Alors j'ai du mal à comprendre le BO de... Le Triple R, tout simplement. Mais bon, on va pas se poser de questions. Ça peut être tout n'importe quoi. On a le B2 en plus très tôt pour un build ouais. De ce genre. J'avoue. Bon, moi, on va pas dire très tôt pour 5 builds standard. Il aurait dû l'avoir, il aurait dû se terminer genre maintenant, mais. C'est un build spécial qu'on rajoute un CC assez rapide pour le build. Donc c'est très spécial. Cyclone, du coup, qui va pas. Oh. J'ai envie de dire, est-ce que ça passe tellement en fait? Cyclone contre Adept. Zélote en fait. Bah, il a son BO anti-protos, mais il est très particulier. Il a peut-être juste gagné quoi en fait. Genre... Il y a Oracle en plus, donc c'est assez grid. Enfin, grid. Oui, voilà, on résiste pas à des petits pushs avec des pushs comme ça, à part si on est Zest. Après, il fait des mix d'unités assez particuliers et sans agression. Pas. Il attend d'avoir le bon quota d'unités pour y aller.
Ah, il change jamais de PO, c'est dommage. Je pense que ce petit oracle là au nord, il va faire assez mal. Ouais, il va faire des morts. Est-ce qu'il va se faire lock? S'il se fait lock, c'est marrant en fait. Moi j'aime bien ma vie s'il se fait lock, cet oracle. Il se fait lock. Alors poursuis-le. Poursuis-le. Et c'est un oracle qui pourra pas. Oh putain, les gars, réfléchissez. C'est un oracle qui pourra pas faire de. Il pourra pas taser littéralement avec son laser les marines déjà. Révélation nada. Et pourra pas stase, simplement. Il a juste servi à prendre. Il va pas se faire scotter gratuitement par cet oracle. Voilà, surtout les stases qui peuvent complètement faire tourner la game, comme on l'a vu avec Grim. Non, avec toi? Oui, avec moi. Sur 2000. Après, j'ai joué un build très sympathique, je dirais. MDR. Allez, maraudeur du coup. Bon, révélation. Ah bah, le deuxième oracle qui vient remplacer celui. Je comprends pas, j'ai du mal à. Oula, mais qu'est-ce que c'est que ce build là du côté RRR là? J'ai vraiment du mal. Oh, supply blow, mais. Eh bah, ben, voyons. Ouais. C'est dommage pour ça. Supply là pendant que le. Ah bah, heureusement pour Tripler. Parce que là, parce c'est, pas supply, il est pas très bien. C'est un supply qui fait mal. Hein. Bah, y a pas de pylône posé d'avance. Hein. Oh, Colosse, ok, on a switch. Le counter worker là, ça fait quand même assez peur. Oui, mais là, je pense que Tripler va agresser. Hein. Maintenant, c'est Triple R. Alors que si Tripler n'agresse pas, je lui tape dessus. Je le tape, littéralement. J'arrive. Méchant Triple R. Voilà. Aise. Par contre, si on a ce match, si on a la malchance de se prendre un ice match, on met qui? Oh, alors, Light a gagné un round dans la division 2, ça qui est en train de se faire. Ça m'étonnerait pas qu'il renvoie l'autre Protoss le premier, parce que c'était pour moi le joueur le plus fort parmi les trois. Ouais. Et je me suis tapé. Comme quoi j'ai pas de chance. Putain, à chaque fois je me suis tapé. C'était moi qui le faisais. Hein. Putain, non mais non, je t'ai remplacé du coup. J'ai pas de chance. Putain, je me tape vraiment les joueurs. Les gars, ils sont trop chauds. Ils sont limite Master 3. Genre, score. Attends, moi j'étais 4K2 et je me tapais des 4K8. Let's go. En fait. C'était marrant les clans war. Tellement de stratégie. Par contre, Triple R il me trigger en fait. Là. Putain, Triple R. Attaque, putain. T'as un mille fait pour. Bah il attend d'avoir une bonne armée pour y aller. Mais par contre il gère très mal les fights. Il gère très mal les fights. Ouais. Et pourquoi j'ai. Bah là il n'y a pas de cyclone. Ça va piquer. Oh. Il nous refait le même coup que la dernière fois. Le kebab. Le kebab. Let's go. Le kebab à 21h21. Mais tu sais que j'étais obligé de manger, tu sais, on a acheté un, du coup, avec mon daron, petite anecdote, en mettant dans la pause, un truc, tu sais, pour une sorte de, comment ça s'appelle, restauration rapide, tu vois, genre une petite boîte où t'as un petit peu de tout pour grind. Fast food, quoi. Hein? Ouais. Non, mais vraiment un truc rapide, genre un truc dans une boîte avec un peu de salade, un peu de pâte et... Ah, c'est un taco? Non, vraiment, c'est pas de salade et puis avec un petit dessert, voilà, tout dans une petite boîte. Et puis je l'ai acheté, du coup j'ai mangé rapidement pour le clan Wars parce que tu sais que j'étais un peu en retard en plus. Ah. Imagine j'aurais mangé une pizza. En plus, moi je suis bien lent, tu sais, moi j'aime bien savourer. Tu vois. C'est pour ça que j'ai pris un truc rapide pour le clan Wars parce que sinon, si je prenais une pizza. Ah bah moi aussi, j'ai pas bien mangé un petit PK juste avant de venir. Let's go en fait. Ouais. Ah, les Triple R là, t'as intérêt à défoncer, foudroyer. J'ai envie de dire foudroyer au lit ces deux colosses. Il a un cyclone full énergie. Un cyclone, un corbeau. Donc, ce qui va pouvoir cancel au moins ces deux colosses. S'il prend une bonne position, ça il peut a être gagné. Sympa. En fait, il faudrait qu'il aille ici. Il n'y a pas grand chose au sol en fait. Il faudrait qu'il aille sur B2. Il faudrait qu'il aille sur B2. Absolument qu'il cancel cette B4. Et il prend pas la bonne direction.
Ah, c'est. Okay. Bien joué, bien joué, bien joué. Ah, en fait, c'est Megan into B2 là. Allez, hop, 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 hop. On chope pas, putain. Non, non, réfléchis, réfléchis. Sois stratégique. Hop, tu tapes. En plus, il a des vikings contre les colosses pour mettre un peu de TPIS. Attention, prise de fight là en vue. Okay, okay. Siège, maintenant. Non, 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 siège, non, vraiment. Par contre, c'est une blague. Siège, hein, siège. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Oh non, les tourelles, pas. Oh non, tourelles. Mais non, mais pourquoi les tourelles? Ils servent à rien. Non. Vas-y, drop-le, drop-le. Attends, 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 non, 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 non. Le 1-1 qui se termine, on attend le 1-1, le shield, et puis on y va. En plus, il y a juste le 1 d'attaque côté proto. Bien, bien. Oh allez, avance les petit à petit. En préventif. Okay, okay. Speed un peu. Allez. Ah non, non, mais pourquoi reculer les deux? Vise-les, s'il te plaît. Oh là là. Ah, dommage, il a pas assez de shots dedans. Il a pas pu dégraisser le point de Colosse. Niveau prod, ça va. Il a pas dépassé les 1000. Pseudo RRR, la speed de haute voltage. Mais par contre, il fait full marine face à Colosse. C'est pas génial. Mm. Haute voltage. Tu sais, là j'ai un peu envie de mourir. Ouais, ouais, là ça sent le haclic, hein, le run by de. C'est l'autre qui est lancé. Tu sais même pas qu'en proto tu pouvais avoir autant de colosses, c'est un si peu de temps de jeu. Il va avoir. Ouais, voilà, c'est le moment de se suicider. Maintenant tu splits, tu splits, tu fonces, c'est le moment de gagner. Allez, tu crois toujours en toi, crois toujours en tes rêves. Split, il y a que dalle au sol. Split, mais putain, mais split quoi! Non. Mais je t'en supplie! Split! Oh, 4 colosses, qu'est-ce que ça fait mal? 4 colosses, mais y'a. Mais putain, poursuivez, 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 putain! Non! Les vikings, il fallait les poursuivre, activer le moteur dans ce viking là, le moteur. 16 VCS au top. Ce putain de viking, il pouvait foncer, tuer tous ces colosses! Non! J'ai envie de crever, putain non. Les colosses ils pouvaient tellement être pris là. Ils avaient tous un HP, regarde la vie des colosses. Ouais, ce serait pris les moins 20 de pop là. Attends, direct. Non, oh, moins 20 de pop et surtout moins 4 colosses. Il aurait été obligé de recall quoi. Bah en plus, le moins 4 colosses quoi. Donc moins 4 colosses, c'est pas rien. Hein. Moins 4 colosses, les gars. Ça veut dire que imaginez son armée sans colosses, il est un peu tout nu. Ouais, ouais, il est à poil. Il a même pas la storm, je crois. Attends, je vais aller voir dans Hub Grid. À 11 minutes, il a pas la storm. Je vais aller voir dans Hub en Grave Up. Ah oh bah, il fait GT. Il a la storm quand même. Il a la storm, mais il a peu d'acheter, etc. Ouais, il les a pas encore produits. C'est facilement split. Ah, oh, il y en a 4. Il y en a 4, C'est facilement. Bon, petit trade base. Ça va sentir le trade base, mais c'est pas. Grid, fond. Mais putain, mais. Triple R, pardon. Fonce. Ah, tu le vois, tu as l'armée à mer, du coup tu comptes. Tu rentres, toi. Ah, pourquoi pas. Sachant. Oh, il y a quand même le 2 d'attaque, allez, s'il te plaît. Le 2 d'attaque qui survit au moins pour avoir une microscopique chance de gagner cette fight. Alors. Le 2 d'attaque, je t'en supplie. Le 2 d'attaque, non. Non. Ah, non. Ah, non. Non. Ah. Non. Le 2 d'attaque qui se termine, ok. Pff, ce qui a bien. Ouais, bon, par contre, là, je crois qu'il y a beaucoup de. Oh, le tank est. Capote, run by dans la baie. C'est la fin pour notre triple R. C'est la S. Il y a trop. W. Ah. Pourquoi W? Ça dégage les Russes. Ouais, well, j'ai. Bon. Et bah... Mais non, triple R. Ah, t'as gagné tes deux games? Yep. Non, triple R, c'est dommage parce que là, il nous fait perdre peut-être le Clan Wars là-dessus. Mais non, ça va peut-être faire une égalité. Ouais, mais le truc, ce qui fait chier, c'est qu'une égalité, il va falloir faire un nice match. Non? Ouais. Ah, si, quand même. Et on est éliminé si on perd le last match. À moins que non. À moins que. Ah, quoique, parce qu'il y a le truc avec les points. Je sais pas. Mais ça fait chier, quoi. Ouais. Allez! 99999 pour le faire. Pour l'instant, on m'a toujours pas spoil l'annonce de gaming. Là, je suis plutôt fier de.
des gens autour de moi. Ça va. C'est vraiment gentil. Blurn. Burn. Burn. Ok, 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 let's go. Triple R, fais-nous ton meilleur proxy, ton meilleur all-in. Fais une roi de Mars. Genre, tu perds une game, pas grave, all-in. On espère que Triple R va suivre les conseils de. De la stratégie de Mars. Ok, il va falloir quest encore une game. On va voir ça. On tient le niveau de la voix. Ready. Y. Attends, je sais pas de temps, merde. J'arrive. Dépêche-toi. C'est bon. Mon copain est là. Je suis heureux quand même. Ok, trip. Bon, on est tous trop. Bah, je crois que c'est bon. Johnny, es-tu ready, Johnny? De la team panique. En vrai, il est gris, Johnny, quand même. Hein. Enfin, tous ceux qui open Stargate, les gars, je pense que tous ceux qui open Stargate, ils peuvent facilement mourir sur des builds à la con. Genre, 4 axes, bah. Je veux pas citer un truc que j'ai fait il y a 5 minutes, mais genre 4 axes chez soi, quoi. C'est sensible, tu vois. Parce que tu peux pas faire grand chose contre ça, malheureusement, quand t'as 3 adultes. Ouais. Et d'ailleurs, Zephyr, tout à l'heure, t'es un bok, mais putain, je vous assure que le build il marche vraiment. C'est pas de la cave. En plus, il marche souvent. Après, le faites pas tout le temps parce que les cheese c'est mal en ladder. Ne faites pas ça, s'il vous plaît. Mais voilà. Non. C'est bien en Clan Wars parce que bon, il y a toujours des trucs à gagner. Donc en Clan Wars, tu vois, champ libre. Mais en ladder, s'il vous plaît. Vous allez rendre triste des gens. Leurs femmes vont le quitter. Vont le quitter. Tu vois, c'est triste tout ça parce que au final, ils vont péter leur clavier. Ils vont devoir racheter un clavier. Campagne de sensibilisation anti-cheese, les gars. Let's go. Et voilà, Triple R, c'est ça que j'aime bien. Regarde ce que fait Triple R. Je le sens. En bas à droite, Triple R. Qui se bat, se bat NG de cette game. Il spawn en bas à droite en Terra jaune. Et en bas à gauche, Johnny. La team panique. Protoss bleu qui va se prendre. Par contre, la probe. Oh, la probe. Oh, c'est bon. C'est non scout. Et là, paf, deux racks d'un coup. Allez. J'ai dit paf. Bon, par contre, Triple R, son 4 racks, c'est. C'est pas que j'aime pas son 4 racks. Il va se faire scouter. Ouais, c'est pas que j'aime pas son 4 racks, mais quand même. Hein. Et pour le contrer, le Protoss, il a rien à faire. Juste, il fait pas de B2. Une batterie shield et puis il accumule. Triple R, mais non, fallait faire un proxy maraudeur. MDR quoi. Ouais. Le problème c'est qu'il a pas de. À moins qu'il pose. À moins que moi, je pense que si je suis triple R, tu sais ce que je fais quoi. Ah non, peut-être que ça marchera pas. Aïe, hein. Aïe. Bah, il pose sa B2 quand même. Alors par contre, il a les corollaires, Johnny. Hein. Johnny, il a des couilles, mais mec, ils font la taille de la planète quoi. Mais ouais, il a spoté le proxy. Mais En plus, deuxième pylône. Putain, hey, Johnny, mec, il a des balls, mais waouh. C'est plus que des boules là, c'est. Wouh. On est sur du amourante là, facile hein. Putain, c'est incroyable. Putain, hey, Johnny, franchement. Hein. Il se sent bien quand même dans cette partie hein, pour poser B2. Ouais, est-ce que a-t-il pris un peu trop la confiance hein? Effectivement, je pense que oui. Il y a même pas batterie shield, pas besoin, hein, bien sûr. S de la vie. Hein. Bah, en fait, là, c'est le moment où il faut monter. Quoi. C'est pas le moment où il faut focus la base à genre 6000 HP. Quoi. Tu penses que tu sais d'adepte? Au moins, je veux le kill de l'adepte. Parce que le kill. Oh, pull le VCS, pull le boys. Ok. Non, focus. Allez, petit kite là pour faire perdre un peu de probe au joueur Protus. Non, c'est moche. Oh, ce circle nul. Je pensais qu'il allait faire un truc stylé et tout. Mais non. Oh. C'est tellement triste. Oh, mais non, mais triple R. Là, je vais pleurer là. Putain, triple R, mais non.
Ah, tout est fini. Oh là là, il n'est pas habitué à faire des proxys, on dirait. Effectivement. Ah, mais là, faut faire un bunker, faut faire quelque chose, faut cancel cette B2. Calculé, pointeur des VCS. Exact, il va kite à l'infini, il a juste gagné quoi. Ah, oh, et il perd son dernier worker. 9999999. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, y'a qu'un seul stalker, n'aie pas peur. Mais non, il va se faire kite à l'infini. Il faut kiter, il faut grouper, écarter les petits marines. Après, il perd des HP, il prend la console. Oh là là, qu'est-ce qu'il fait? Il arrive pas à kiter. Non, mais pourquoi kiter, c'est un principe simple. Il joue avec un touchpad là. Il joue avec un stream deck. Et il joue avec une manette, c'est pas possible. J'avoue. Là, triple. Oh putain! Il a envoyé tous les boys là. Allez, vas-y! Fonce! Là, il faut rajouter une musique soviétique. C'est le moment. Non, tout est fini. Et là, notre échelle de ses morts. Et là, Non, vas-y, là, c'est attends, ça pourrait passer. Ouais, bon. Tu crois que sur 16 à 0 probe, bah non, allez, une nuit. C'est terminé, poubelle. Là, ceux qui disent mule OP, je comprends pas. C'est putain une mule qui rattrape 16 workers pour que la mule soit propre. On a une égalité. À ce match, je vais le jouer. Moi, je suis tenté par Grim. Ah, mais moi, je vais le jouer. Voilà, je vous le dis. Je vous le dis parce que j'ai un BO stratégique. Est-ce que vous me faites confiance ou pas? Si vous êtes mes amis ou pas? Est-ce que vous me laissez faire de la stratégie ou pas? Faudrait que tu vois les grippes en fait. Bon, allez, j'hésite entre vous deux. J'ai MP. Bon, Grim. Moi j'ai pas tous les scores. Grim, je fais de la stratégie. C'est bon, c'est déjà rentré. Faut que je place un ace. Je fais de la stratégie. Je veux jouer. Last match ou pas? J'ai de la stratégie en tête. Ah, vous allez voir les gars, vous allez l'impressionner. Putain, ça va se finir en Pierre Fais Iso entre Grim et moi. Bah, je pense que je vais laisser Grim. C'est vrai que je me souviens de son all-in de la dernière fois, il était plutôt Gucci. J'ai un autre all-in, mais je vais le garder pour un autre tournoi, on va dire. Je vais garder ma stratégie à moi. Ah, d'accord. Faut pas le révéler, hein. Non, je rigole, je l'ai déjà révélé plein de fois, mais... plein de fois, non, je l'ai révélé une fois en Clan Wars, mais bon, normalement, la team adverse ne le connaît pas du tout.
Alors, Karim, il a dit quoi? Dans deux secondes. Ah ouais, ça discute stratégie là. T'as bien coupé le strip? Ah oui, merde, non! Je déconne. Enfin, mets la transition. Bon, on a une équipe russe en face, du coup, je doute qu'ils. Qu'ils connaissent le français. Voilà, simplement. De toute façon, ça va être ton Protoss hein, qui va s'y ramener. Je le sens bien. Bah, logique, je pense. Ouais. Ah, tu laisses la place à Grim. Et il va nous faire sa spéciale. Plus efficace. Je pense en fait, mon build est très efficace contre un genre de Protoss plus standard. Mais je pense que son build avec. Je pense que son build est plus efficace pour Stargate. Alors que le mien, tu vois, c'est plus efficace quand le gars il open. Tu vois, il open standard Colosse ou Blink Stalker. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais. Ça dépend de l'open. Et surtout, Grim, s'il fait sa spéciale, faut pas qu'il se fasse comme la dernière fois. Ouais, mais justement, t'inquiète pas. Ça... Bon, je lui ai redit en MP, normalement il devrait y arriver. Normalement il devrait y arriver, je l'ai traumatisé. Non, je rigole, c'est notre ami. Mais oui, Grim, il va pas le louper cette ice match. Allez, je place Grim en ice. Vas-y. J'ai oublié de le faire. Et c'est à lui de jouer. C'est bon. Je vais déclarer que l'ice est. MDR, t'as vu ce que j'ai posté dans l'équipe 3? Le gif. Attends. Ah, j'ai envie de voir le pink de gaming, mais j'ai pas envie parce que j'ai pas envie de voir. J'ai pas envie de me spoiler du tout. Ah, ça me tente parce qu'à chaque fois que j'ai un ping, tu sais, moi je suis le genre de gars, dès que j'ai un ping, je vais le regarder, tu vois, c'est pas compliqué. Mais là, il me tend ce ping, il me tend. Il faut absolument que j'aille regarder. En plus, tiens, vas-y, je suis en retard là, vite. Grim, fais-moi ta stratégie. dis-moi quand le truc a commencé. Hein. Parce que sinon, je pourrais être là. Ah, je suis plus dedans. Moi, je suis pas dedans, justement. Je me connecte. C'est bon, ils ont lancé la partie. Enfin, ils ont créé la partie, tu peux en chambre. Vite, ok, hop, je me connecte. Voilà. Tac, hop, c'est bon. Je suis perdu. Voilà. En vrai, j'aimerais, les gars, me spoilez pas s'il vous plaît, mais j'aimerais tellement que ça soit Katowice. Enfin, je pense que c'est pas que Katowice, mais j'aimerais tellement
Enfin, que, ah. qu'il y ait des gros joueurs à Katowice, tu vois. Attends, tu me forces à te spoiler là. Non. Alors, j'ai vidéo. Non. Arrête, sinon demain je vais être dépressif. Va falloir que je regarde cette émission, ça a l'air rigolo. Non. Celle qu'ils sont en train de faire là. Mais oui, bah c'est, tu sais que c'est l'émission depuis deux jours là qui tourne. Ouais, justement, ça me fait chier parce que j'ai pas vu l'annonce. Et du coup, je vais la voir après. Ne me spoilez pas, je me bute. Ok, c'est bon. Non, c'est. Alors, émission de plus de 3 heures, c'est ça. Il faut la regarder à 20h. Non, please. Ok. Ok. Je m'auto-spoil. Non, putain, t'es en sac. Moi, je vais la regarder ce soir après le. J'en vois. Du coup, on a Grim en la gauche, le joueur le plus beau. Non, c'est faux, c'est moi le plus beau. Regarde ma tête en même temps, je suis trop sexy. Bon, en la gauche, avec les conneries. Grim en terrain bleu de Team Angel Wings. Non, mais en plus, c'est bien, tu vois, on est tranquille demain, j'ai 3 cours. Y'a Textic qui était invité en plus. Y'a Tistic. Après, elle a eu de la chanson. C'est fourché. Putain, moi si j'étais invité dans un plateau il y a 5000 viewers, très bien. Ah gars. Ouais, quand même. Ah, moi je serais tout fou. Ah bah moi je serais en mode venez sur ma chaîne Twitch. Non, je déconne. C'est bâtard quoi. Ah mais faut être parisien. Ok. Pour aller sur le plateau. Au payer un train 150 balles et puis. Ah putain, je suis près de Strasbourg. Là. Ah. Du coup, ça va. Ça va. Oh, mais il est mignon, Grim. Mais Grim, il est stratégique. Oh, Grim, il s'est scouté, mais une force. Ouais, mais Grim, bon, ça, il est. Là, ça va donner aucune info, en fait. Non, ça va donner à la fois aucune. Ça va donner à la fois aucune info, et ça va tellement faire chier parce qu'il peut finir son Engineering B, quoi, genre littéralement. Ah, le bro de regarde. Je sais comment jouer Johnny, il a qu'un seul BO. Mais c'est bizarre qu'ils aient pas envoyé le premier Protoss. Le premier proto c'était largement plus fort, je pense. Ok, du coup on a le petit engineering, enfin son technique bloc. Ça fait chier notre ami. Ah, le réacteur. Il y a le VCS qui danse. Mais du coup c'est pas mal parce que bon, du coup le VCS danse, let's go. Bon, le VCS il est en train de réparer les conduits, on va dire. Ouais, il répare le mur. Regarde, il y a un petit câble par terre. Ouais, c'est normal, voilà, c'est pour ça que je te dis. Il est en train de faire l'électricité, tu vois, pour. Il faut qu'il le regarde. Pour absolument. Il faut absolument. Oh là là. Qu'il répare. C'est, bon, c'est un informaticien en fait. Mais toi, dans la vie de Johnny, juste pour voir ce qu'il se coûte. Je vais regarder. Bah, rien en fait, littéralement. Rien du tout. Y'a rien de. Mais c'est génial. Il se coûte juste qu'il n'y a pas de B2. Voilà, c'est tout. Alors, ce qu'il y a de plus. Armory. Non. Il devrait sortir bientôt. Ah putain, j'ai peur. Oh là là. J'ai. Non, mais vraiment. Là, c'est bon là. Le coup de stress d'un allez, coup. Allez, envoie le worker travailler, t'en auras besoin là. Ah, wouah! Conseil crépusculaire extrêmement tôt. Donc, ça, c'est hyper grillé. S'il te plaît, monsieur! Elle est ultra importante là en fait. Mais quoi? L'armerie. Oui. Ultra importante. Ah, voilà. Et il y a une chose, c'est le conseil crépusculaire extrêmement grillé, les gars. Vraiment. Quand vous faites un protos, vous êtes considéré comme déjà grillé de base. Alors, là, il n'y a pas de. Après, imagine, ça continue sur plusieurs gates. Là, y a ok. Pas de robot, hein. T'es pas green. Ouais, mais là, c'est bizarre. Regarde le BO de Grim et regarde dans quel pétrin va être le Protoss. Bah, je sais, t'inquiète. Hein. Genre, je viens de te le dire. Tu le connais. Bah, je viens de te le dire. On se couvre. Non, je gagne. Mais en fait, le problème, c'est que déjà, là, il y a peu d'unités, etc. Et puis, il y aura zéro vision et il va se prendre au moins 6 shots de mine. Et en plus, bah ouais, il va avoir zéro vision. Mais et ensuite, il va se retrouver devant le tort. Il va juste crever en fait, quoi. Et c'est la robot. Aïe aïe aïe. Bon, bah Grim, on peut déjà dire que Grim est bien. Voilà. Tu drops une mine. Bah voilà, une mine dans chaque une de minerai. Hein. Puis bon, trop tard. Hein. Oh là 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 là. Et Grim par contre. Grim, si arrive à buter l'observateur, ça serait tip top. Grim, par contre, il faudra qu'il me passe un replay de ses. Un replay où il fait le build parfaitement. Je veux ce build pour me venger de certains protos qui me all-in en ladder. Hein. Parce que des fois. Fais-le. T'inquiète pas, parce que des fois, tu vois, tu macro et tout, et là, tu te vois 4000 stalkers qui bling dans ta B1 et
Et t'es triste au final, t'es triste. Et après, ouais, tu leur fais ça, bah c'est pas. T'as 6 Void Resident à bien. Ah oui, bah ça c'est. C'est l'alternative. C'est une alternative. Et t'as aussi masse batterie fil dans ta B3. C'est ouais. Une, aussi une alternative. Mais là, du coup, il va se faire chier. Oh putain, la mine. Ah ouais, sur les trackers. Il n'y a pas de dégâts économiques. Hein. Des probes. Il n'y a pas de dégâts économiques, mais il y a des dégâts sur la valeur d'armée. Hein. Et ça, c'est extra. Sanctuaire noir. Oh, ok. Oh putain, corbeau. Mais Grim, mais putain, mais en fait, Grim, c'est un map à cœur, en fait, depuis le début. Non, je pense que c'est le BO qui est comme ça parce que bon, l'été, ça fait mal. Mais là, il va se faire exploser la tronche. Hein. Ah oui, oui. Là, il va pas avoir le temps de warp grand chose parce que Corbeau va vite arriver. Ah ouais, si il warp genre maintenant, il faudra que Grim. Le problème, c'est. Oh, Grim, elle a 100 de. Oh putain, il a 100 d'énergie. Oh putain, bah Grim a juste gagné en fait, j'ai envie de dire. C'est GG. Hein. Oh putain, en plus, il veut warp Prisma à la place d'Immortel. Oh là, mais c'est. Oui, oui. Ah bah, bonne chance. Il prévu de le warper directement dans la BR. Bonne chance pour counter ça. Après, tu vois, là d'un coup, je me dis en vrai, mon build serait passé aussi. Hein. Avec ça. Hein. Le corbeau. Attends, il est supply ? Non, c'est bon. Là, il a lancé 3 pylônes en panique. GG. Il a vu le cyclone. Le corbeau, c'était fini. Il a vu le corbeau, il s'est dit. Fuck ! Voilà. Et je crois que le corbeau, c'était même pas dans son BO. Oh putain, let's go. Peut-être qu'il a. Ah, attends, j'ai peut-être une théorie. Peut-être qu'il a vu avec son medivac ou sa mine le sanctuaire noir. Faudra revoir un petit peu ça. Bah, il y a moyen, ouais. Parce que putain, c'était en cours de construction. Là, on devrait le voir dans ton stream. C'est à ce moment-là qu'il va dropper. Je regarde. Ah, voilà, c'est ce qu'il dit. Sur de Battle. Quoi ils y doutaient du TT, en fait, avec le conseil crépus. Et puis, ah, il l'a survolé, hein, le DT. Le Battle DT. Ah ouais, il a survolé, que je viens de le voir. Ouais. GG. C'était tendu. Eh bien, on va pouvoir poster cette victoire. Hop. Let's go, ouais, George Wings. Parfait, ok. Parfait. Pom, pom, 3 à 4. Eh ben, bravo à tous. Pom, 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 pom. Ok. GG. Oh putain, ma caméra. Attends. C'était un match tendu. Fou. Ah putain, je suis fatigué. Heureusement, demain je commence à 10. Ok. Ah ouais, toi t'es bien. Ah bah ouais, demain j'ai 3 cours, je commence à 10. On se met carrément bien en fait. Bon, les gars, moi je vais vous laisser les copains. Parce que moi, à un moment, eh ben, il va falloir y aller tout simplement. Parce que bon, à un moment, je suis pas au chômage. Eh oui. Va falloir s'arrêter. Et bonne chose d'entrer une fin. Ah putain. Et puis moi, je vais me spoiler. Ah, puis moi, là, les gars, je vais aller voir l'annonce. J'ai hâte. Allez, je fais début. Oh, il fait moins 1 degré dehors. Ah oui. Ah oui, quand même. Putain, il est 21h, il fait moins 1 degré. Mais ouvre la fenêtre. D'accord, putain, d'accord, ok. Je savais pas qu'il faisait aussi froid, d'accord. Enfin, tu sors dehors, tu gèles instantanément. On est en hiver. C'est vrai, c'est vrai. Mais alors, bon, avec le réchauffement, avec le climatique réchauffement, je pensais qu'il y avait un peu moins de trucs OP. Oh. Victoire 4-3, GG. Victoire 4-3 ce soir, GG, triple R, Grim et Roi de Mars. Let's go. Roi de Mars. AK RDM. Let's go. Grim, triple R, Roi de Mars, QC, Rizard. Tu as un petit peu l'accent en plus, non, je déconne. Johnny. Roster. Allez, moi je te laisse. Et ben moi aussi. Je vais faire l'outro. Bonne soirée. Ah bon. Les gars, je vais faire une outro rapide parce que bon, voilà quoi. Enfin, non, je vais pas faire une outro rapide. A plus. Non, ça va cute.
Bisous.